Bon, qu'est-ce que vous remarquez tout de suite? Les répétitions. Ah, les répétitions. Les répétitions. Lulu, qu'est-ce que tu vois comme répétition? Bah, y a... Kevin avait un peu peur du génie. Il y a du génie et après il y a virgule, après il y a le génie encore. Il y a Kevin aussi. Oui, donc... On va utiliser des pronoms pour éviter ça. Qu'est-ce que vous me proposez d'écrire ici comme pronom? Mademoiselle Alexia. Il. Ça n'est peut-être pas assez précis parce que comme il y aurait deux il dans la phrase, voilà, pour se méfier. Donc il faut essayer d'être un tout petit peu plus précis que ça. Anne-Sophia. L'inconnu. Ah, s'il n'est pas inconnu du tout, hein. Et pas, puis c'est pas un pronom l'inconnu. Lulu. Ils ont dit. Pourquoi ils sont deux maintenant? Le génie s'est dédoublé, il a un jumeau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un clone peut-être? Non, c'est pas ça du tout. Mademoiselle. Et lui dit. Ben non, ça c'est complètement impossible. Ben non, c'est complètement impossible. Puisque ton verbe n'aurait pas de sujet. Non, à la place de « il », vous me proposiez « il ». J'ai dit « il » n'est pas suffisamment précis dans ce cas-là, parce que « il » pourrait désigner à la fois le génie ou bien Kevin. C'est-à-dire qu'il faudrait faire un petit travail intellectuel, un petit travail cérébral pour comprendre. Mais on peut très bien comprendre sans avoir besoin de faire ce travail au moment de la lecture, si celui qui a écrit a déjà fait ce travail avant. Non, non, j'ai bien dit, tu te trompes. Ton verbe n'a pas de sujet. Les personnages magiques. Non, un autre pronom que il. Ah, d'accord. Plus précis. L'autre. C'est non. Qui apparaît le dernier dans la phrase « Kevin avait un peu peur du génie » ?« Le génie ». Le génie. Donc ça devient facile. Et non. Je me l'ai déjà proposé, j'ai dit non. Clarisse. Celui-ci. Bravo. Très bien, Clarisse. Et pour représenter Kevin ? Celui-ci. Lui. Hélène. Voilà, maintenant on l'a déjà. Kevin avait un peu peur du génie. Celui-ci lui dit qu'il n'y avait que toi qui pouvais le voir. Qui c'est toi? Kevin. Ah bon? Le génie. Non, c'est bien Kevin. Mais pourquoi ça s'appelle-t-il toi ici? C'est pas possible. Ah, alors justement, est-ce que nous sommes dans un dialogue ou est-ce que nous sommes dans un récit? Dans un récit. Nous sommes dans un récit, donc je ne peux pas écrire toi. Qu'est-ce que je vais écrire à la place? Que lui. Lui. Très bien. C'est pas terminé. Justement, votre camarade
Marie-France vient de dire quelque chose. Marie-France. Marie-Claire. Excusez-moi, je me suis trompé de quotidien, d'hebdomadaire. Je me suis trompé d'hebdomadaire, je me suis trompé de journal, excusez-moi. Et si je dis elle, ça va être encore un journal. Bien. Marie-France. Bon, tant que je t'appelle pas France Dimanche ou Paris Match, tout va bien. Ah, ben oui. Allez. Hein, Macalène. C'est ta marque de whisky préférée. Bon, allez. Ah, il y a Macalène, c'est très près. Soyons sérieux. Pour revenir à Marie-Claire. Marie-Claire. Elle a dit quelque chose d'excellent. Tu ne copies pas, tu réfléchis avec nous pour l'instant. D'accord ? Hein ? Sinon, je te dis, comme secrétaire de séance, c'est toi qui copies, les autres ne copient pas, et à la fin, il va falloir que tu aies copié pour tout le monde. Il y a autant de fois qu'il y a d'élèves. Ça te va comme... t'adores quoi ? Ben, très bien. Alors, chut. On peut écrire les choses autrement. Alors, pour aller plus vite, je vais écrire K à la place de Kevin. Je vais faire des petits tirets comme ça. Et comme l'a dit votre camarade, je vais faire deux points. Je vais ouvrir les guillemets. Et puisqu'elle a eu l'idée, elle va essayer de me donner la suite. Bah oui. Non, non, c'est beaucoup plus simple que ça. T'écoutes, Daryl. Il n'y a que toi. Ah, cette fois-ci, c'est bien. Regardez, il n'est pas bête, le Daryl. À la place de Haver, on écrit A, il n'y a que toi. Et bien sûr, parce qu'il lui parle désormais. Hein? Qui peut me voir. Qui peut, bravo. Me voir. Donc, Guessen, puisque tu es le propriétaire de cette phrase... Yesen, non, non, mais écoute, tu mélanges pas les deux, hein? C'est l'un ou l'autre. Donc, là, je vais écrire, ou changer de couleur. Et c'est intéressant ce qu'on fait là. On voit qu'il y avait deux solutions pour dire la même chose finalement, mais en s'y prenant différemment. Je l'aurais accepté volontiers. Non. C'est pas mal. Allez-y. Vous me recopiez ça, mes petits. Clarisse. Celui-lui, c'est celui-ci. J'ai oublié un mot. Merci, Clarisse.